Alors que TMC diffuse ce jeudi 18 janvier un nouvel épisode inédit de la saison 4 de l'agence, l'immobilier de luxe en famille, Martin Kreetz a évoqué les contraintes de sa vie de jeune papa. Entre son métier d'agent immobilier de luxe, le retour de ses parents Olivier et Sandrine du Brésil, pas forcément simple à gérer. Et sa vie de jeune papa, les journées de Martin Kreetz se sont à n'en pas douter bien remplies. Dans l'épisode 7 de la saison 4 de l'agence diffusé ce jeudi 18 janvier sur TMC, l'aîné des frères et époux d'Eve von Romberg, la maman de leurs deux enfants Marius et Rosa, a fait quelques confidences à son frère Valentin à l'occasion d'un vernissage de photos à mode à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. L'agence, Martin et Valentin Kreetz évoquent leurs enfants et leur vie de jeune père de famille si est-il vrai que depuis qu'on a les enfants. Moins tu y vas, au vernissage, note de la rédaction, et moins tu es invité. Semble ainsi regretter Martin Kreetz à côté de son petit frère Valentin, lui aussi jeune père de famille d'un petit Noah né de son union avec sa compagne Sharina. Surtout toi. Glisse d'ailleurs ce dernier à Martin, preuve que l'aîné est surchargé de travail. Reste que cette soirée va faire l'effet d'une bulle oxygène pour les deux frères qui vont notamment partager un verre et échanger quelques mots avec Yannick Noah. Mais également donner, de nouveau, envie à Valentin Kreetz de partir vivre à New York. Martin Kreetz, l'agence, en couple, qui est sa femme Eve von Romberg. Loin des contraintes de l'agence, Martin Kreetz file le parfait amour avec l'architecte d'intérieur Eve von Romberg depuis plus d'une dizaine d'années. Les deux se sont d'ailleurs mariés en juin 2020 sur l'île de Ré, devant les caméras du format de TMC et Netflix qui en était alors à sa première saison. Ancienne élève de l'école d'architecture de Paris-Belleville, Eve von Romberg a depuis monté sa propre agence. Une professionnelle qui impressionne notamment son mari. En tant qu'architecte, Eve a un sens de l'observation vraiment accru et depuis qu'on se connaît, elle me demande toujours de lever la tête quand je marche, de regarder autour de moi. Point, elle m'a permis de voir les choses autrement confiée avec fierté Martin Kreetz au podcast Power Couple.